d'un pays. Mais et je choisis nous parce que nous sommes très spécial. Très spécial. Et c'est un honneur pour nous que nous répondons à l'invitation. Donc, nous allons faire une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bon Dieu, Papa Nabdou, merci pour rassembler. Et le Noël dans la Bible, Jésus était toujours un chita autour d'une table. Table. Parce que autour de la table, gagnait intimité, gagnait conversation, gagnait échange, gagnait fraternité. Nous vous remercions qu'on rassemblait autour d'une table, pour nous manger ensemble, pour nous parler ensemble, et pour que nous partager et qu'on gêne. Jésus, le vient sous terre, il parlait du royaume. Il vient de bâtir un royaume. C'est-à-dire, il parlait du monde qui était individuellement appelé à prier. Depuis où l'Ancrisse, pour faire partie d'un corps, d'un ensemble, d'un royaume. Et Jésus est le maître. Nous m'avons béni, nous, ou dédié à Potio, c'est parti en vie, m'dé en vie, manger ça avec nous. C'est à travers ce repas que les partager cœur. Tant pis, nous m'avons béni, donc un repas ça, porter la vie. Fais-nous grandir en respect mutuel, en amour mutuel, en collaboration mutuelle. Béni manger, nous allons manger. Hein? Et nous allons, tant pis, fais ça grand bouillot, joigne qui chante et tout. Et béni tout le monde qui prépare le repas. Nous allons ça au nom de Jésus, grand maître. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Maintenant, avant de commencer à manger, on va inviter le docteur Auguste. Amen. C'est une de la comité pour le soin du cancer. C'est ça. Et puis, vous, quoi, président de l'association des médecins, c'est ça, non? Ancien. C'est ça. All right. Vous avez dit deux mots. OK. So, bon après-midi, tout le monde. Monsieur Satisari, merci beaucoup pour l'invitation. I don't know whether I should do it in French. Creole. Creole. Okay. So, très flatté du fait que je t'ai invité à venir participer au Massa avec Monsieur Sansari. Monsieur Sansari, je crois qu'il y a 85 ans. À peine. Il a juste dit nous que il fait 48 ans. A pratiqué le sacerdoce en Brooklyn. Mais 60 ans. 60. Oui, bien avant ça, en Haïti, il était pratiqué. Déjà. Le Bahamas. Le Bahamas, as well. De sorte que c'est un. Qu'a dit un héros, qu'a dit la société. Parce que à cet âge, il y a un peu de monde qui a pensé à prendre une retraite, suspendre le travail et se reposer. Mais Monsieur Sassarek, jusqu'à présent, a continué à pleine force et à travers la communauté pour tracer un exemple. So, ça a fait me penser en pile à ce qui a passé en Haïti. Qu'on y a côté gagné passion pour l'argent, pour le pouvoir, et on a fait toutes sortes de crimes. Monsieur Sassarek, c'est un exemple d'intégrité, de générosité, et comment il passait toute ville au profit de communauté. De sorte que c'est normal qu'en retour, que petit groupe ça au moins manifesté et amour, dévotion et, envers Monsieur Sassarek. C'est. Encore, il y a un grand mouvement que le fait que Radio Télésolidarité vient créer, parce que on a dit que Monsieur Sainte, on voit dans le désir, on voit très fort, mais quand même que personne ne va écouter, mais à travers de Radio Télésolidarité,
est capable d'étendre voix, chant d'influence à travers les États-Unis et même au-delà des États-Unis, au Canada, en Haïti, qui a amplifié voix. Et son message que, d'amour que là-bas, le message de charité, le message de christianité. Et nous avons aimé que plus haïtiens suivent exemple ça. Parce que nous tous avons lamenté à propos de ce qui a passé en Haïti. Qu'on y est. Mais combien de nous qui pensaient à eux-mêmes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire eux-mêmes pour changer la situation? C'est facile pour qu'on dise, ah oui, tout va être passé en bas, et il y a un mauvais monde, un mauvais leader, mais vous-même, il faut ce moment pour poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même, que vous avez contribué à la société pour changer la situation? Et moi, on trouvait que la vie, moi, c'est ça que c'est un exemple, ce modèle que tout le monde est capable de suivre. Et si tu as plus la génération qui t'a suivi le modèle, ça, peut-être nous avons Haïti placé sur une piste différente vers la reconstruction et vers l'amélioration des conditions de tout Haïtien qui vit en Haïti. Merci. Merci. Oui. À la vérité, tout le monde qui l'a eu, est réellement spécial pour nous. Parce que les nous prenons Dr. Doul, nous prenons Dr. Nassé, nous ne pouvons pas se faire ce qui là. Mais nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas parler. Bon, ok, 2 minutes seulement. Donc, premièrement, moi, à petit frère Buto, merci en pile pour être moi parmi nous. Et puis, côté nous, venons faire passer ce moment de convivialité avec Bishop Sansarik que nous remet en pile. Donc, moi-même, par exemple, qui a à peine 49 ans, ça veut dire que le Bishop Sansarik dit qu'il a 48 ans déjà, vous le Bishop Sansarik est une boucle, moi j'ai gagné une année. Mais en fait, moi senti moi très honoré, flatté pour moi, dans mes temps, une série de gros calibres, femmes avec garçons, tant pour nous. Et pour les gens qui ne connaissent pas, moi c'est Jean-Edi Saint-Paul, moi c'est un docteur en sociologie. Et moi tout, j'ai l'honneur pour moi diriger, directeur fondateur, un institut pour faire recherche, pour faire avancer, pour faire promotion intellectuelle, artistique et culturelle à Haïti. C'est l'Institut d'études sur Haïtien qui est en Brooklyn College, c'est moi qui est directeur fondateur, il y a un monde qui est là. Qui connaît dans 3 ans et demi que nous avons dans la communauté, activité que nous fait déjà. Yo. Par exemple, nous avons un gros artiste qui est avec nous, Patrice Abritle, que Brooklyn College qui est fondé depuis 1930 et qui est au cœur de la communauté haïtienne. Pas jamais gagné aucune exposition de toile haïtienne, alors que toile haïtienne sont une toile d'excellence que moi-même, moi instaure en tradition depuis 2017. Nous commençons à faire découvrir Haïti à travers Ali, à travers culture, etc. Et moi, t'as remé rapidement, dis-nous que yon nan bagay moi t'as remé accentué sur lui. Bishop Sansari, c'est un prêtre. Et généralement, les gens qui rentrent dans le prêtre longtemps, les gens ont une vocation. Et mon vocation, hein, les connotations qui sortit dans le calvinisme. Là où dit vocation, bon concept en allemand qui traduit vocation, concept ça c'est Virov. Et là dit Virov, ça veut dire un monde qui bail self-sacrifice. L'idée de ou bail ou même tout entier pour une cause. Et moi, rejoins docteur là qui sont spécialistes dans la question cancer. J'ai une génération de monde côté. Ce n'est pas l'argent, yo te mette
devant comme valeur qui fait yo réussir. Donc ce type de monde ça Bishop Sansari gagne, ça veut dire son monde qui fait travail sous dou gen vocation, ça veut dire pas ka gen vocation, son pas gen passion pour ça va faire. Donc son monde qui passionné de ça la faire, qui passionné de communauté hein. Donc nous ta remet que nous connaît gen pile en nous tout qui passionné, c'est exemple ça que nous avons suivre. Nous ta remet gen plus monde qui passionné en dans communauté nous. C'est des monde yo là pour qui était à l'école. Par exemple, yo parent était pour l'école parce que yo était connaît l'école, c'est ça qui va le faire réussir. Moi qui sorti Torbeck, Bishop Sansari qui sorti Jérémy, nous sommes dans même zone. Même si je suis plus jeune que Bishop Sansari, mais moi-même, parent, moi, pas de doctorat. Mais parent, moi, papa, maman, moi, je te toujours dit, ce n'est pas Théo, ce n'est pas Bef, ce n'est pas ça, nous gagnons l'an savant qui va le faire au monde. C'est pour aller, c'est l'éducation qui va le faire au monde. Donc, moi-même, si je fais toute trajectoire, ça grâce, bon Dieu, moi, là, c'est à travers valeur, ça. Donc, nous, chaque là, nous avons une grosse mission privilégiée. Qui ça nous capable de faire parce que plus gros problème Haïti gagne son problème de citoyenneté et c'est éducation. Par exemple Patricia Britley à travers organisation Here and There nous chaque qui là moi connais nous a font paquet de gros travail aider en nous aider la éducation. Par exemple moi même comme directeur instituant moi grand pile projet pour communauté. Un projet moi gagne c'est que nous sommes communauté depuis années 60, nous vraiment en grand nombre ici. Mais pas de recherche qui fait sur communauté. Une communauté qui pas qu'embé seulement avec éléments matériels, éléments immatériels yo très important. Histoire, archives, nous pas de recherche. Moi bon projet m'a rien fait. Moi gagne business card pour la après ça m'a ban nous tout qui le téléphone moi. Moi t'a rien pour nous parler avec moi pour nous faire une histoire orale communauté. Pas d'aucune histoire orale communauté haïtienne non. En pilant moun yo nous connait gen tes amis nous kon disciple nous y a mouri mais pas gen recherche. Moi vle par exemple tant kou journal nous te gen yo album photo premier passeport là nous te vini ici go équipe bagay nous capable faire pour kembe histoire communauté à vivre. Ça c'est un nan projet m'ta reme partager avec nous et mande nous collaboration nous et m'a fini pour me dire bon l'autre projet toujours que moi y a travaille sur là c'est yo projet côté m'a prendre moins compte que gien pile désintégration parce que m'gen docteur en sociologie mais licence moins en travail social son social worker mi gien pile désintégration familiale et yo nan cause désintégration familiale ça c'est parce que en la communauté noire surtout mesdames yo y a fait deux jobs yo fait surtout mesdames qui travaillent comme nurse comme CPA ou bien CNA y a travaillé soir y a travaillé à 11h du soir retourner à 7h du matin. Moun sa yo lè manke dormi kon sa, sa gen problème sou santé physique yo, sa gen problème sou santé mentale, santé émotionnelle yo, mais sa gen problème tout conséquence sou capacité yo genyen pour yo suivre ki programme ti moun yo ap gade dans télévision. Donc tout ça va avoir un gros impact. Donc c'est type de projet sa yo que moi genyen. Donc moi a fini pour me dire nous que institution li là pour servir nous. Ça m'a fait yo gen pile moun ki remen pou ça m'a fait yo mais gen pile moun ki raim tout pou ça m'a fait yo parce que l'institut a été fondé gen moun ki pense yo ta pral an utiliser instituyan pour faire avancer agenda pa yo moi même moi son agenda communauté parce que chaque lè Haïti gen difficulté chaque lè image Haïti pi mal comme ça et nous connaît ça va prêter comme ça c'est là ça nous gagne plus. Ça Emmanuel quand tu capable dire une obligation une impératif moral pour nous bay plus dans nous-mêmes. Donc moi senti moi bien content, nous besoin plus monde tant que Bishop Sansari dans communauté en nous chaque garder qui ça nous gain comme passion qui passionne nous et puis en nous faire avec même excellence Bishop Sansari et nous a dit nous souhaiter une grande vie à Bishop Sansari. C'était qu'à 85 ans. Monsieur Jacadet, et Monsieur Jacadet, il est venu à l'INAI. Il a dit que mesdames et filles, nous connaissons que son point est union. Et que c'est vraiment un honneur pour nous. Nous avons un docteur Patricia Patron qui était supposé venir avec lui. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'est pas là, mais quand même, capable de nous, je dis vraiment nous en de très bonne compagnie. Bon. Oui. Ma botte, il est pas loin de toi.
Encore une fois, bonjour. Nous voulons nous venir, mais il faut nous manger. Donc nous avons arrêté de nous manger, avec grand goût. Ce qui fait que Gampil Moun nous arrive à parler. On salue Marie Fouché qui était vraiment au bras droit pour moi pendant des années. Dans sa ville, Jack avec moi dans le Sacré-Cœur depuis au moins 40 ans. Il a beaucoup pour avoir Marie-Lose, qui était une dans le bras droit au début, l'apostola avec lui-même tout, Sandra Marcala et puis nous tous, Docteur Dole, nous tous avons mérité de parler. Bon, moi-même évidemment, moi là pour Haitian Apostolic. Ça qui est Haitian Apostolic, c'est pas un bagage qui, comme quoi, un bagage. C'est semence qui a fait toute bagaille marcher. Puisque Jésus dit que la première loi qu'il vient instaurer, c'est l'amour mutuel. L'amour mutuel. Donc, de pour remet, yon remet loin, même Jean-Christ remet loin, c'est ça qui peut mettre la vie tout partout. Si il y a des ordres en Haïti, c'est parce que pas gagné remet. C'est parce que gagné égoïste, qui est mon abscessé, intérêt paille. Donc, je remets ça, docteur Jean-Paul Saint-Bier, hein, et puis c'est ça, le soudito. Donc, oui, l'apostolat, c'est ce moment-là qui me vient bâtir tête lit. Son semence pour mettre la vie chez les médecins, chez les nurses, chez les professeurs, chez les ingénieurs, chez tout le monde, pour tout le monde travaille ensemble. C'est le but. L'apostolat, ici, a été commencé depuis les années. Je suis arrivé ici en 1971. Et c'est un moment qui coïncidait avec beaucoup de people qui sont entrés, plus ou moins. Et à ce moment-là, que l'évêque américain était inquiet, il voulait servir haïtien. Et je découvris, et puis je demandé de lancer l'apostolat haïtien qui vient d'une incorporation. Depuis ces années-là, pour que m'occuper, pour que Haïtien, en découvrant Jésus-Christ, le découvrit la vie, le chemin de la prospérité. Tant qu'on nous dit dans le psaume là, je trouve plus de joie en servant le Seigneur que ceux qui se réjouissent de leur récolte de maïs et de vin. On a fait fête, on a une bonne récolte, et bien, la parole de Dieu est source de joie. Jésus lui-même lui dit, je vous impose, mais mon joug est facile et mon fardeau léger. Finalement, ils nous comprennent que le christianisme est difficile, mais c'est lui ban la joie et le succès. Donc, ben, remerciez-nous infiniment. Projet haïtien, depuis quelques années, donc nous commençons le travail, son travail social, mais essentiellement enraciné dans la foi. La foi en Dieu, l'amour de Dieu, pour que vous capiez sa vie, ça qui besoin. Jésus dit la magnifique intercession, la Vierge Marie, il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Mission, nous, c'est lever communauté. Et comme projet, évidemment, et nous voulons évangéliser le peuple, découvrir Jésus-Christ. Et premier bain, Jésus-Christ m'a laissé l'unité, la. Le drame du christianisme, c'est que quand il y a un monde qui prend la Bible, et puis il y a 50 000 l'église. Et puis on va dire, tu n'as pas les autres mal. Alors que le Christ, à la dernière scène, dit, même Jean-Paul me fait un coup, c'est pour être complètement un. Pour que le monde découvre que c'est mon rendez-vous. Tant que le christianisme n'est pas unifié, le christianisme a piétiné. L'unification des chrétiens, c'est ça le besoin. C'est l'insistance. C'est peut-être ça, protestant, rejeter l'Eucharistie, parce que pour accepter l'Eucharistie, un seul pain, une seule table, un seul Christ, un seul message, un seul corps, le corps du Christ. C'est comme quoi, bras, pas qu'il doit séparer le corps, et puis il dit c'est lui qui croit. Et puis, Tonéal doit être déplacé, il dit c'est lui qui croit. Nous sommes l'unité des chrétiens. Et c'est tout ça, là, travail pour ça. Bon, projet nous, et évidemment, c'est nos combats de projet. On a essayé de rejoindre les jeunes, parce que la paix du les jeunes, que je nous rejoignons pour découvrir Jésus-Christ comme puissance. Vocation, ou ouais, vocation, sont-ils dans le mot vox,
qui veut dire appel. Donc c'est pas du tout avec Calvin, ce mot existait bien avant. Vocation, Dieu nous appelle. Hein? Depuis à l'âge de 12 ans, la Vierge Marie a été joint de Jésus. Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Dans l'appel pour s'occuper des affaires de mon Père. Donc, nous avons des rallyes de jeunes, les gratis, nous invitons, qui sont de la Floride, nous avons venu ici, toute qualité, nous pas fait au pays, ça coûte de l'argent. De loin, il faut un bon sang, il faut un pays loyer, il faut un pays téléphone, nous avons des salaires à payer. Seulement même pas un salaire, même aussi. Dans un salaire à payer. Ce qui fait que nous avons, pour le moment, nous avons budget de plus de 100 000 dollars par an. Pour le moment. Voilà. Les radios Solidarité, pour dire plutôt à tuer Tentley, mais il faut acheter appareil, il faut acheter Barisago, il faut bon bureau de télévision, il faut acheter appareil qui est très cher. Hein. Maintenant, il faut se déplacer, il faut se déplacer. Des téléphones, des frais de téléphone, des frais de timbre pour tout le monde, des frais d'électricité, des frais de bonne bagaille. Donc là, on a besoin de plus de 100 000 $. Nous réussissons à joindre des subventions, mais grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas fait des fils. Nous quimbons toujours. Et c'est un miracle. Mais nous quimbons toujours. Et chaque jour, dépenses nous augmenter, mais nos besoins. Donc, nous voulons remercier en pile, par exemple, à l'occasion 85 ans, mais il y a une fête qui était faite, et grâce au dévouement, faites la rapport des 30 000 $. Hein? Donc, ça balle. Fond de ballon, vous bravo pour que vous déjà. Et nous, le monde, vous pouvez vous faire un peu de là, qui a beaucoup de travail, vous pouvez vous faire pour nous. Ouais, non. Parce que ce sont des exemples pour nous. Docteur Milan, il y a l'autre monde qui parle là, même qui a dit nous, il y a Docteur Dolto qui a beaucoup travaillé avec nous. Elle était dans le comité l'année dernière, même si elle n'était pas là cette année, mais elle a beaucoup travaillé. Comme si elle était dans le comité. Fond de café, Docteur, gros ballon, gros bravo pour tout ça. Donc, il y a un concours des jeunes. Première année, le gagnant a été un étudiant haïtien au Japon. L'année dernière, c'était un étudiant haïtien en Turquie. Donc, ce qui veut dire que nous avons servi là. Nous faisons un concours pour les femmes. Il y a 13 pays, femmes haïtiennes, 13 pays qui participent. Et l'année, ça va nous participer. Ce qui veut dire que nous avons des homélies qui sortent chaque semaine, parce qu'on a combien de nous voyons. Oui, nous les avons. Moi, même YouTube, là, qu'on est là. Facile, quoi. Bon, on contact avec radio et Télé Soleil, que parce qu'on oblige à subventionner et tout. Et ils sont contents qu'on est là, ils veulent passer le programme. Nous. Un effort pour rejoindre notre population. Notre population a besoin de lumière. J'ai besoin de lumière. Que vous compreniez, que pas longtemps ça m'entendait à tuer un cochon devant l'ambassade américaine pour ouvrir les lois, soi-disant pour changer la situation dans le pays. Vous comprenez que la révolution a fait, au lieu de la révolution visée, que petit malheureux qui a acheté pistache pour la vendre, il a pillé. L'autre petit malheureux qui a cherché à vendre souliers, il aurait été au bras souliers. Investissement pas cabal en Haïti. Donc, pas de progrès pour le peuple. Donc, au lieu que nous renversions ce système-là, on a gâté la vie du peuple, puis plus. Manger mal pour entrer dans le prince, monsieur, qui a attaqué les gens qui ont manger pour piller manger. Donc, nous avons besoin d'une grande éducation. Nous voulons écrire en deux livres actuellement. C'est pour que nous allons collaborer. Premièrement, il y a des gens qui m'ont demandé pour écrire histoire vive. Parce que si je me raconte une somme pour la nation, Bahamas, pendant 7 ans, et puis peut-être des efforts que nous fait la communauté haïtienne. Hein. Donc, je suis tellement levé là comme que je vois des gens qui parlent pour écrire pour moi. Ben c'est moi qui ai le matériel. Okay. Donc, son projet probablement qui a débouché dans un an. Et puis, nous voulons écrire surtout une histoire sur l'histoire de la diaspora haïtienne aux États-Unis. Mm-hmm. Et nous commençons à ramasser quelques documents. Des fois, nous jouons encore pour chiter à écrire.
c'est pas un bagage qui a fait pour moi, pas pour ça, quoi, blader. C'est pour le progrès, l'avancement de notre population. Donc, d'apprécier la présence de nous en pile, pour un bon petit repas, et puis entendre nous ensemble. Et puis, la clé de tout progrès, c'est ce qu'on appelle en créole le tête ensemble. C'est l'union. C'est l'union. Donc, essayons d'être plus proches les uns des autres, de collaborer davantage les uns avec les autres pour que notre pays sorte de cette situation de désolation et pour que notre diaspora aussi, que finalement elle se relève, puisqu'il y a beaucoup de gens de valeur dans notre diaspora. Mais en même temps, s'il n'y a pas de direction, la diaspora va et perdre son chemin. Donc nous avons besoin d'unité et d'une voix forte qui ne soit pas la voix d'une personne, parce qu'une chose est claire, une personne ne peut rien faire. La personne accomplit son œuvre quand elle est accompagnée et soutenue par les efforts d'une multitude. Et c'est ainsi que je compte sur vous. Donc, maintenant, c'est l'heure de manger. Oui, bien. Amen.